tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Aujourd'hui, j'ai un énorme unboxing de 9 Diamond Painting de chez FG Normal. Vous voyez, ça fait énorme. Alors, on va commencer, je vais y aller tout doucement, en commençant par les plus petites. Alors, je vais mettre tout ça de côté ici. Ça, c'est des grands. Grands. Ça, c'est des... Ça, c'est petit. Alors, on va commencer par les plus petites, puis on va aller vers le plus grand. On va chercher un petit peu. Alors. Alors, on commence par celle-ci. Alors, le toolkit, bien ordinaire, pas de multiplaceur. OK, ça s'en vient ici. Les perles, regardez les couleurs de perles. Alors, on parle ici, c'est des perles carrées. Et je vais rouler l'autre côté qu'on voit comme il faut. Alors, c'est indiqué comme une 40 par 50. Et ça, je sais que c'est le canevas. La pièce comme telle. Alors, je vais vous la montrer comme il faut. Je sais qu'il y a toute une série de petites japonaises comme ça. Mais c'est la première que j'achète, là. Je verrai les autres. Alors, 35 et... Attendez. C'est ça, 35. Puis ça ici, c'est 45. Donc on dit que c'est un 35 par 45. On a des symboles ici. Alors, des chiffres, des lettres. Et de l'autre côté, mais pas de numéro de DMC. Je vais voir si... Non, il n'y a pas de numéro DMC sur les perles non plus. Moi, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je ne conserve pas les diamants après. Regardez les couleurs. Je vais les montrer comme ça, ça arrive de les montrer de l'autre côté, on n'a pas de numéro. Alors, numéro 2, on a deux sacs, c'est ce coffre-là. Numéro 3, après moi, c'est 310 litres. C'est du noir. Numéro 4, ah, on est ici. Numéro 5, 5, on a trois sacs. 5, 1, 2, 3, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le numéro du canevas, si ça vous intéresse de l'acheter, de faire recherche, c'est F320. Alors, je serre tout ça et je vous reviens avec la prochaine pièce. OK, alors là, je vous ai ouvert la deuxième pièce. C'est des perles carrées aussi. Vous voyez, c'est un porche avec un jardin. Vous avez comme ici des étagères avec des fleurs. Je ne suis pas sûre du rendu. Il y a... 23 couleurs, pas de DMC. Il n'y a pas de DMC non plus sur les perles. C'est des perles carrées. Et c'est un 40 par 5, un 50 par 40 encore. Je vais mesurer, voir la grandeur du canevas. Alors, on dit que c'est un...
44 par 34. Ah, je ne suis pas certaine du rendu de celui-ci. Ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air à la fin. Pas sûr s'il n'y aura pas l'air pixelisé. Il aurait dû être plus grand. Alors, le numéro du canevas, c'est le JF139. Je vais vous montrer les couleurs. Je vais quand même vous montrer de l'autre côté. Alors, 1, 2 sacs. 2, 2 sacs. 3, 4, 5, 2 sacs. 6. La couleur des les perles ont l'air très brillée. 7, 8, 9. Oups. 8, il y avait 2 sacs. Donc, 8, c'est 2 sacs. 9, c'est 2 sacs. Alors, cette pièce, comme dit, je ne suis pas certaine du rendu. Je la remonte. Si. Regardez, là, je ne suis pas certaine. Alors, je referme tout ça et je vous reviens avec la prochaine pièce. Alors, je reviens avec la prochaine pièce. Alors, c'est encore des perles carrées. Je vais vous la montrer. Je vais lever le... Je pense que ça va aller mieux si je lève comme ça. Vous voyez la pièce au complet. Oui. Alors, c'est un jardin aussi. Pas certain de la pixelisation. Je faisais un test, là. Alors, JF119. OK. Toujours pas de numéro de DMC, ni sur les perles, ni sur le... sur la... le canevas. Alors, je vais prendre la mesure. Alors, c'est un 34 par 44. Le numéro du canevas, JF119. Perle carrée. Ici. Okay. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Oh, drôle, dans le viewfinder, la caméra, ça a l'air beaucoup plus vert ici, ça a l'air beaucoup plus solide. OK. Il y a toujours des différences entre la caméra puis... Bon, ça ici...
numéro 23, il y en a deux. 24. 24, il y en a deux. 25, il y en a deux. Alors, je vous reviens avec le prochain unboxing. Alors, une prochaine pièce. Alors, c'est une japonaise. Elle est magnifique. Je l'ai vue unboxée par, je pense que c'était Mindy qui l'avait unboxée. Puis, je l'avais trouvée superbe. Alors, c'est encore une 40 par 50. Là, il y a les numéros de DMC. J'ai 24 couleurs. Je vais prendre la mesure. Alors, si vous voyez comme faut, là, comme elle est belle. Alors, c'est des perles rondes. Elle mesure. Perles rondes. Le numéro du canevas, c'est K71. On va regarder les diamants. OK. Le numéro 1, du coup. 20, 21. Ah! Non. 2, 3, 4, 5, 9, 16, 151, voyons. Fois 3, 4, un petit peu de l'air, 5, 6, 9, magnifique. Fait que je vous reviens avec la prochaine boxing. Alors, on est rendu à ma dernière des 5 plus petites pièces. C'est encore une 40 par 50. C'est une beauté japonaise, mais avec un fond mauve. Alors, je vais vous la rapprocher un petit peu. Excusez-moi. Alors, un petit peu. Regardez. Alors, celle-là, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a les... Vous voyez, là, le... Oups, on peut-tu... Oui. Les cercles autour des symboles, et ça, je déteste ça. Mais sinon, les couleurs sont magnifiques. Mais surtout dans le blanc, là, avoir le cercle noir autour, là, ça, là, c'est bien plat. F, là, c'est vraiment... 38-65, c'est du blanc. Ça va être bien difficile à placer pour pas qu'on voit le tour. Mais les couleurs sont magnifiques. Magnifiques. Regardez. Alors, le numéro du canevas, c'est L2233. On va regarder les couleurs ensemble. Ah oui! Je vais me régaler pour les couleurs. Alors, ici. Alors, on a le numéro du DMC sur le canevas, mais pas sur les sacs. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 sacs de numéro 2 qui se trouvent à être 155. Au bout, je pensais que ça aurait été un. OK.
ça. 4, 5. Là, on est dans les 206. Probablement, c'est 208, 209, 210. 7, 211. Et on est beaucoup. Ah, oh, les couleurs sont magnifiques. On est beaucoup dans les teintes de mauve. Ça, j'adore ça. C'est ça, de mauve et de rose. Alors, et c'est vrai, je n'ai pas pris ma mesure. Elle mesure, elle doit mesurer 35 par 45, mais je vais vérifier. Alors, on dit bien 35 par 45. Alors, je vous reviens avec ma première des quatre grandes pièces. À tantôt. Alors, ici, on a le... une grande pièce, vous la voyez au complet, elle est immense, elle mesure, attendez, je vais vous dire ça, en largeur, elle mesure 40 par... 80. Alors, c'est une pièce que j'ai vue, Natalia de Lovecraft Forever, qui la faisait, et je l'ai trouvée magnifique. Regardez-la, c'est magnifique. Regardez. Alors, le numéro de la pièce, c'est le A590. On a les numéros de DMC ici. 27 couleurs. Elle est superbe. On va regarder les perles. Ça, c'est 606, 3 fois. 606, 3 fois. Ensuite, on a 666, une fois. 1739, deux fois. 741, deux fois. 742, deux fois. 743. Et finalement, les verres. Les couleurs. Wow! Oh! 24, deux fois, c'est 37, 70. 25, 26, 38, 55. Et 27, 26, c'est 27, c'est... 38,65. Écoutez, comment ne pas aimer cette pièce? Je la trouve superbe. Il y a beaucoup de blocs de couleurs, peu de confettis. Je vais me régaler. Alors, j'ouvre la prochaine. Alors, une prochaine, elle est énorme. Je ne l'ai pas vue unboxée par personne d'autre. Alors, je vais vous la montrer doucement. Regardez. Moi, je l'appelle le mur égyptien, mur dans la pyramide. OK. Ça, ça ne veut pas rester. Alors, elle mesure 95 par 45. Le numéro du canevas, c'est le A567. Moi, tout de suite, je suis tombée en amour. J'aime beaucoup les choses qui sont égyptiennes.
Alors, avec des hiéroglyphes en haut, tout ça, là, j'ai trouvé ça très, très beau. Alors, pour ceux qui aiment ce qui vient d'Égypte, là, alors, j'ai aimé ça. Et puis, je vais vous montrer les. On a 30 couleurs avec les numéros de DMC. Alors, commencer ici. Alors, un, deux sacs de 310, 371, 400. Allez, je. 422, deux fois, 434, 445, 647, 720, 729, deux fois, et là on a 738, une, deux, trois, 739, une fois, deux fois, 742, 780, 781. Et un autre sac de 781, 782, 782. 801, 817, 823, 839, 890, 902, deux fois, 919, 943, 948, 975, 3776, 3822, 47, 38, 52 et 38, 62. Alors, je remballe ça et je vous reviens. Alors, je reviens avec une grande. Alors, j'ai pas la place pour vous la montrer tout au complet. Regardez, c'est les belles. La chaloupe, le reflet dans l'eau. J'aime beaucoup, beaucoup la maison. La maison, on la voit très bien. Et c'est avec 34 couleurs, le numéro DMC. Le numéro de la toile, c'est L2118. Et comme mesure, alors elle mesure 39 par 79. Il y a le numéro DMC sur la toile, mais pas sur le canevas, sur les perles. Le numéro de la toile, c'est L2118. Regardez. Sa couleur est. Alors, disons donc. Excusez. Numéro 1, deux fois, 2. 4, c'est 310. Et oui, j'ai fini. 5, 6, c'est des perles rondes.
26, une fois, deux fois, 27, 28, 29, 30, 31, deux fois, 32, 33, 34. Alors, je ramasse tout ça et je vous reviens avec la petite dernière. Ben, la grande dernière, je devrais dire. Alors, on est rendu à la dernière grande pièce. Alors, vous voyez ici. J'appelle édifice célèbre la nuit. Et c'est drôle parce que cette pièce-là, je l'ai vue unboxée par Diamond Painting by Donny. Puis, je voulais pas la commander parce que j'étais sûre que ça serait trop pixelisé, mais en la voyant sur unboxée par Denis, j'ai vu qu'elle avait l'air très, très bien, cette pièce-là. Alors, elle mesure 95 par 45. Et le numéro de la pièce, c'est le WX436. Moi, le 95 par 45, là, c'est toujours ce qui est... Diamond Painté et non pas la bordure. Alors, moi, je le mesure parce que la bordure, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, on va regarder les perles. Regardez les perles, là, comment il y a des belles couleurs. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il y a le numéro de DMC sur le canvas, pas sur les skaters. Alors, du noir, et du noir. Alors, ici, c'est là. Des sacs. C'est un beau rose, si vous voulez. Deux, trois, 14, 15, deux fois, 16, 17, deux fois. 8, 2, 3, 19. Oh, j'adore cette couleur. 20, 21, 22. Oh. 22. Alors, on a vu 26 couleurs. C'est ça qu'on est supposé d'avoir. Alors, c'était ma dernière pièce de cette énorme commande. Alors, si vous avez aimé, je vous en prie, mettez un thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie de le faire. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, merci d'avoir patienté jusqu'à la fin. Au revoir.